Où que vous soyez, c'est là qu'il faut commencer le voyage. Alors qu'en Occident, le terme mystique, ce qui est relatif au mystère, a en grande partie perdu son sens initial, pour ne plus désigner qu'une forme de religiosité sentimentale et dualiste. En Inde, la mystique est une voie d'union à Dieu, conduisant à la réalisation de la non-dualité entre l'amant et l'aimé, entre le soi et l'absolu, l'atman et le brahman. Nirmala Sundari Devi, célèbre ensuite sous le nom de Ma Ananda Moyi, naquit à Kehora, dans le district de Tripura, petit village qui fait actuellement partie du Bangladesh. Issue d'une famille de brahmanes, toute sa vie elle vécut selon la maxime Joho Aye, advienne ce que doit, s'abandonnant sans réserve à la volonté divine, ce qui avait parfois des conséquences imprévues. Toute sa vie, Nirmala n'a jamais exprimé le moindre désir. Toujours heureuse et prête à aider, elle ne pleura jamais, ni à sa naissance, ni plus tard, sauf un jour pour détourner sa mère du chagrin lors de la mort prématurée de ses fils. Elle ne suivit guère que 2 ans les cours de l'école du village et n'a jamais su véritablement ni lire ni écrire. Plus tard, quand on lui demandera de mettre son autographe, elle signera en faisant un point. À 13 ans, elle est mariée à Ramanimohan Chakravart, connu sous le nom de Bolanatha, brahman originaire d'un village près de Dhaka. Ce mariage n'a jamais été consommé physiquement. Bolanatha considéra rapidement sa femme comme son gourou et lui laissa une grande liberté. Devenu sannyasine, un renonçant, il lui restera fidèle jusqu'à sa mort en 1938. Après son mariage, Ananda Moyi s'occupa des tâches ménagères et vécut à Aptara, où son mari avait trouvé un emploi dans le département de la police. Par la suite, il sera nommé à Antagrama, dans les services de l'agriculture, puis à Bajitpur. En 1922, Ananda Moyi confère l'initiation d'abord à elle-même, puis à son mari. C'est la seule fois où elle donna l'initiation à quelqu'un, ayant toujours refusé d'initier des disciples. En 1924, Bolanatha trouve un emploi comme directeur des jardins Shagbag de Nao et Dhaka. C'est durant cette période qu'Ananda Moyi se nourrit, pendant 3 ans, de 3 grains de riz par jour. Elle passe aussi de nombreux mois dans un silence total. En 1926, elle rencontre Guru Priya Devi, qui ne la quittera plus, et Jyoti Skandra Rei, connu sous le nom de Baiji. Ce dernier construisit le premier ashram d'Ananda Moyi à Dhaka en 1929. À partir de cette date, elle n'arrêtera plus de voyager. Allant de communauté en communauté, elle est le centre d'une intense activité spirituelle. Chant, récitation à haute voix de la Gita, des Upanishads et méditation. Sa notoriété devient alors nationale et même internationale. Elle reçoit la visite de Gandhi, Nehru et Indira Gandhi. La première occidentale à rejoindre son ashram en 1943 est une pianiste autrichienne, Blanka Schlamm,
qui devient sannyasine sous le nom d'Atmananda et remplit souvent le rôle d'interprète. Un autre sannyasine fut le médecin Adolf Weintraub, venu en Inde en 1951, auquel Ananda Moyi donnera le nom de Vijayananda. Le photographe anglais Richard Lanoy, ancien réalisateur de la télévision française Arnaud Desjardins, la romancière allemande Malita Machmann ont parlé d'elle dans leur livre. Même si le chemin qu'elle propose fut celui de Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, et qu'elle défendait fermement la tradition religieuse hindoue, elle ne se rattacha à aucune doctrine tout en recommandant l'une ou l'autre selon les besoins qu'elle percevait chez son interlocuteur. Bien souvent, elle expliqua que les enseignements de tous les maîtres authentiques, puisés à des sources véritables, sont exacts et valables pour ceux à qui ils sont destinés. Le fait qu'ils puissent paraître contradictoires ne retire à aucun d'eux la valeur qui leur est propre en tant que l'un des chemins spirituels à parcourir. Toute sa vie fut dévouée aux autres afin d'offrir un message d'amour à chacun, aussi bien à un chercheur de vérité qu'à un paysan illettré ou à celui qui a commis crimes ou délits. La simplicité de son enseignement se résume en ces quelques mots, sans allusion à une doctrine ésotérique secrète, mais avec l'urgence d'un appel, être en confiance avec Dieu, s'abandonner, se reposer en lui, accepter tout ce qui arrive comme venant de lui. Il s'agit de considérer ce que l'on fait comme un service, alors seulement à ce prix sera-t-il peut-être permis de s'éveiller à une dimension plus vaste, à un vécu réel s'ouvrant sur l'infini. Ma Ananda Moyi est morte à Hardwar en août 1982. Voici quelques citations extraites de l'enseignement de Ma Ananda Moyi. Méditez sur Dieu sans cesse, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, est une manifestation de lui. Le chagrin n'existe que parce que vous croyez être distinct. Ne considérez personne comme distinct de vous-même. Voyez en chacun votre ami. Considérez-vous comme un instrument de Dieu et pensez que c'est lui qui vous anime. Consacrez-vous complètement à lui, constamment. Ayez le sentiment que c'est lui qui fait tout. Même quand vous marchez, ayez le sentiment que c'est lui qui fait mouvoir vos jambes. Quel que soit le travail que vous fassiez, offrez-le-lui, et alors vous serez incapable de toute bassesse, car comment pourriez-vous offrir quelque chose de laid à votre bien-aimé? Le mince savoir que vous possédez, vous devez le lui abandonner, et en retour, comme il ne vous restera rien, il vous donnera tout. Il ne faut pas gaspiller son temps à ce qui n'en vaut pas la peine. Vivez chaque instant dans la contemplation de votre vrai soi. Ne laissez pas votre esprit s'apesantir sur ce qui est évanescent. Une dose de poison tue un homme, mais les objets d'essence agissent comme un poison lent. Peu à peu, ils vous poussent vers la mort.
aussi longtemps que votre esprit est tourné vers les choses du monde, vous recevez un billet de retour. Vous restez lié à la ronde des naissances et des renaissances, et vous répétez la même sorte d'expérience encore et encore. Au-delà des plaisirs du corps tels que manger, dormir, se déplacer, etc., réside la joie suprême. Le bonheur terrestre a sa contrepartie, le chagrin. Mais là où le bonheur est dans sa forme essentielle, inconditionné, les contraires, joie et chagrin, n'ont pas de place. C'est lui, en vérité, qui se manifeste lui-même dans toutes les humeurs et dans toutes les formes. Qui que ce soit que vous puissiez haïr, vous ne haïssez que votre propre Seigneur. Il est dans l'univers entier, dans tous les modes d'être, dans toutes les formes. Tous les noms sont ses noms, toutes les formes ses formes, toutes les qualités ses qualités, et tous les modes d'existence en vérité sont lui. Tant qu'il y a doctrine, il ne peut y avoir compréhension totale. Ce n'est pas dans le monde extérieur que vous trouverez la paix. Creusez au plus profond de vous-même et vous trouverez la perle inestimable. Dans l'état d'illumination du soi, il ne peut y avoir rien de tel que réalisation ou non-réalisation. Cependant, bien que la réalisation existe, elle n'existe pas. Et bien qu'elle n'existe pas, elle existe. Quelle que soit la situation où Dieu vous place, à n'importe quel moment, rappelez-vous que c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Votre état d'esprit au moment de la mort détermine la forme que vous recevrez. Pensez à Dieu au moment de la mort et vous le réaliserez. Vous devez saisir la vérité que celui qui est dualité est aussi celui qui est non-dualité, tout comme la glace et l'eau. La seule chose que nous ayons à faire est d'ouvrir nos yeux et de le voir, dans le bien, dans le mal, dans le bonheur et le malheur, dans la joie et dans la tristesse, et même dans la mort. Les mots Dieu et vie sont interchangeables. Prendre conscience de ce que toute vie est l'un octroie une félicité qui ne change pas.